Je comprends plus les jeunes d'aujourd'hui. Consommer un café seul, je dis bien seul, devant ses ennemis. Franchement, je crois qu'il faudrait que on réinvente les réunions sous l'arbre à palabre. Vraiment, elle ne s'est même pas gênée de nous en proposer. C'est quoi? Vous vous laissez avorter comme moi? Code pénal. Attends, je cherche. Article 337, alinéa 1. Juste la peine. 15 jours à 1 an d'emprisonnement. Amende 5 000 à 500 000. Et ton docteur là, on ferme sa boîte, on réussit d'abord le droit d'exercer. Tu as vu un docteur ici? Je suis à l'hôpital. Les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune valeur morale. Oui, aucune valeur morale. Ma fille, tu sais ce qu'on appelle prohibité morale. Le torrent a emporté mon sac de classe. On dit quoi? C'est quoi l'info du jour? C'est Aline. Elle attaque le gouvernement camerounais. Et les mœurs africaines. Le droit international me l'autorise. De faire quoi? D'ôter la vie. De se faire avorter. Oh, j'en crois pas mes yeux. Sainte Marie, Mère de Dieu, est arrivée. Le gros français va pleuvoir. Ne pleure plus. Le Cameroun va gagner. C'est quand nous coupe du monde? C'est comme un jeu en 2035. Mais c'est quoi son problème? Je me prépare pour son enterrement. Tu es mélodramatique. Elle va pas mourir. Elle va rester sur une coque vide. Je plains l'homme qui va s'accrocher pour ça. En croyant que c'est une femme. Oh, quel malheur. L'emballage ne fait pas le contenu. D'accord, à 100%. Le tarot qui a les plus belles feuilles ne produit pas grand chose. Attendez, c'est de moi qui parle là. À notre époque, quand tu vois une jeune fille, une femme, tu dansais. Mais maintenant, à peine 18 ans, elles ont déjà un enfant. 15 ans, tu veux dire? Un enfant vivant, sans compter ceux qui sont dans les toilettes. Même ceux qui sont dans les chaussettes. Et si sa maman le faisait, est-ce qu'on l'aurait accouché? Cela signifierait un travail pour un peuple camerounais qui en a besoin. Et l'argent en plus pour ses parents. Un anneau en moins pour le gouvernement camerounais. Et des mots d'état en moins pour le tuteur qui l'a enseigné. Un péché originel qui se renouvelle. Une route bien tracée pour l'enfer. Goudronner en plus. Et là, ça dépend. Si elle croit en Dieu. D'accord, c'est bon. Je vais garder l'enfant. Voilà. C'est une fille. Voilà. Elle portera mon nom et sera sa marraine. Et moi alors? Je lui raconterai mes histoires du Moyen-Âge. Ah, voilà, on mousse avec. Oh my gosh.